À partir d'ici, nous allons vous expliquer en profondeur comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit et sa puissance. La Bible déclare que nous recevrons une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous et que nous serons les témoins de Jésus. Pas lorsque le Saint-Esprit est en nous, pas lorsque le Saint-Esprit nous remplit, mais lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, c'est à cet instant que nous recevons la puissance, la Bible dit. Le Saint-Esprit vient sur nous lorsque nous mourons à nous-mêmes. Seulement lorsque nous renonçons à nous-mêmes, Jésus a dit que si nous voulons être ses disciples, nous devons renoncer à nous-mêmes chaque jour, prendre notre croix et décider de le suivre. Mais le seul moyen par lequel nous pourrons mourir à nous-mêmes, c'est au travers un processus de brisement. Seulement lorsque Dieu nous brise, nous sommes capables de relâcher la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Même l'apôtre Paul l'a déclaré, je meurs chaque jour. La raison, la puissance du Saint-Esprit manifestée au travers de la vie de l'apôtre Paul, c'est parce qu'il a choisi de mourir chaque jour. Parfois j'ai comme l'impression que nous sommes une église à micro-ondes. Vous savez, nous allons pour 10 minutes, 30 minutes, 1h30 après nous sortons. Mais le Saint-Esprit, vous devez apprendre comment héberger sa présence. Vous devez apprendre comment lui donner du temps dans votre vie. Afin de travailler dans notre service. Et je pense que l'une des clés pour le réveil, c'est de donner au Saint-Esprit du temps. Dire Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Et nous voulons nous attendre à toi. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples attendez pour le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je vois cette génération expérimenter beaucoup de Dieu. Parce qu'ils ont la volonté d'attendre dans la présence de Dieu. Ils ont la volonté de donner à Dieu de leur temps, du temps de leur vie. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu est notre Père c'est que vous pouvez demeurer en paix et que vous n'avez rien à craindre, que vous avez quelqu'un qui prendra soin de vous, quelqu'un qui veillera après vous, quelqu'un qui vous protégera, quelqu'un qui pourvoira pour vous. C'est un meilleur moyen de vivre, sachant que vous avez un bon Père, tout puissant, et qui vous aime inconditionnellement. La Bible dit que lorsque Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a été guidé par le Saint-Esprit dans le désert. Ceci est une expérience complètement différente et distincte avec le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est une expérience que vous pouvez avoir dans cette conférence, une rencontre avec le Seigneur que vous pouvez avoir dans cette conférence. Mais après que vous sortez de cette conférence, c'est votre décision. Si vous voulez être guidé par le Saint-Esprit, vous savez, être dirigé par le Saint-Esprit, c'est de réaliser et de reconnaître que le Saint-Esprit est une personne qu'il est Dieu et qu'il est le dirigeant de votre vie, que vous le suivez, peu importe où il veut vous guider, peu importe où il veut vous emmener. Le Saint-Esprit ne vous suivra pas. Vous devez apprendre à vous abandonner à lui et décider de le suivre. Et le Saint-Esprit vous parlera et vous guidera, vous montrera des choses et des endroits où vous devez partir. Les endroits où vous ne devez pas partir. Il vous guidera sur qui prier. Vous serez peut-être en train de marcher dans la rue. Il vous montrera quelqu'un dont vous aurez besoin de prier. Vous pouvez être seul dans votre chambre. Il vous montrera des choses que vous n'êtes pas supposé regarder. Et cette petite décision, ce petit pas que vous prenez dans votre marche avec le Seigneur, qui déterminera si vous serez autonomisé par le Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert pour quarante jours et quarante nuits. Plusieurs personnes pensent que oh si je vais être dirigé par le Saint-Esprit, j'aurai toujours des bons moments comme dans cette conférence. Et nous avons un bon temps pendant la conférence, adorant le Seigneur et la présence du Seigneur est ici et la gloire de Dieu est ici et cela ressemble à une expérience au sommet d'une montagne que vous avez dans cette conférence. Et après que vous sortirez de cette conférence, le Saint-Esprit peut vous guider dans un désert, dans des endroits difficiles. Cela ne signifie pas que vous sortez de la présence de Dieu. Cela signifie que Dieu veut vous emmener dans quelque chose afin de vous modéliser, de vous briser, et vous montrer qui vous êtes réellement, et comment il veut vous transformer à son image. D Être dirigé par le Saint-Esprit est une partie difficile, parce que c'est facile d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un met main, ses mains sur vous et prie pour vous, et vous êtes rempli du Saint-Esprit, et vous demandez Dieu, et il vient vous remplir avec son Esprit. Mais après cela, c'est quand vous devez prendre une décision de renoncer au désir de votre chair, afin d'apprendre à comment marcher dans l'Esprit. La Bible dit de marcher en esprit et vous ne satisferez pas les désirs de votre chair. Jésus a dit, si donc méchants comme nous sommes, nous décidons de donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux nous donnera le Saint-Esprit si nous demandons tout simplement. Il dit, si nous le cherchons avec tout notre cœur, nous le trouverons. Et il dit Frappe, et j'ouvrirai les portes. Une fois de plus, il ouvrira les cieux, et il déversera de son esprit sur nos vies. Jésus a dit Si quelqu'un d'entre vous a soif, qu'il vienne à moi. Et celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, hors de lui jailliront des tourons d'eau. Et il a parlé de cela concernant le Saint-Esprit que ceux qui croiront en lui le recevront. Il a dit, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez avoir soif, vous devez le désirer, vous devez soupirer après cela, vous devez demander cela, et vous devez venir à Jésus et boire et croire en lui, et il vous donnera à boire de sa présence. Ses fleuves jailliront de vous, il vous remplira avec le Saint-Esprit. La promesse, l'écriture le dit, c'est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Comment répondez-vous lorsque le Saint-Esprit vous convainc de pécher Cela peut être quelque chose de très petit pour nous, comme de lèvres impures. Mais lorsque le Saint-Esprit vous convainc, comment répondez-vous lorsqu'il dit ce que vous regardez est impur? Comment répondez-vous lorsqu'il vous dit ce que vous êtes en train d'écouter est impur? Continuez-vous à le faire? Mettez-vous en colère et remplis d'orgueil Et dites non, qui es-tu pour me dire ce que je dois faire C'est ce que cette génération veut dire. Personne ne veut être juste. Personne ne veut dire ce qui est bon ou mauvais. Parce qu'immédiatement, ils sont remplis d'orgueil. Qui es-tu pour me dire ce qui est bon ou mauvais Vous allez reconnaître vos péchés. Et dire oui, c'est moi, Seigneur. J'ai des lèvres impures, j'ai des yeux impurs, j'ai des oreilles impures. Et pas seulement cela. Pas seulement le confesser. Mais prendre une décision de changer. Prendre une décision que si ton œil t'amène à pécher, tu l'arraches. Si ta main t'amène à pécher, tu la coupes. Cela est la vraie repentance. Ce n'est pas seulement venir devant l'autel et dire Jésus, pardonne-moi. Mais de dire Seigneur, je vais changer. Je vais prendre les mesures nécessaires afin d'être sûr que je ne retourne plus à ce péché. Comment répondez-vous Comment répondez-vous Dites-vous, oh, c'est la chair, je suis faible. Et continuez-vous à faire la même chose vous prenez une décision Vous savez, nous avons tous péché. Chacun d'entre nous. Personne n'est juste, pas même un seul. Nous sommes tous éloignés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché, toutes les personnes dans cette salle. Ce qui fait la différence entre l'un et l'autre, c'est très simple. Comment répondez-vous lorsque vous êtes convaincu de pécher D'autres personnes décident de continuer à vivre dans leur péché. Ils continuent de vivre dans leur voie. Ils continuent de se rébeller contre Dieu. Et d'autres s'humilient devant Dieu. Et disent, Seigneur, wow, c'est moi. Tu es saint, je ne le suis pas. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin de ta justice, Jésus. Lorsque vous faites cela, lorsque vous prenez une décision, Jésus vous touchera avec son feu. J'ai décidé de partir pas avec ma propre sagesse ou ma propre connaissance, mais avec la puissance du Saint Esprit et partager le message de la croix, le message de Jésus. C'est la chose que le Saint Esprit est venu faire. C'est la raison pour laquelle je l'aime autant. C'est parce qu'il vient pour glorifier Christ. Il vient pour témoigner de Christ. Et lorsque vous parlez de Jésus, vous glorifiez Jésus. Il vient, il révèle Christ au cœur de son peuple. Et lorsqu'ils sont en contact avec le Saint Esprit, je, je l'ai expérimenté. Les gens ont expérimenté. Il n'y a aucun moyen de le nier. Combien de fois il nous aime. Et combien de fois il est réel. C'est la raison pour laquelle j'aime le Saint-Esprit. Parce que seulement le Saint-Esprit peut vous transformer à l'image de Christ. Hallelujah. Maintenant la question est celle-ci. Comment cela arrive-t-il Comment cela arrive-t-il La Bible dit cela. Et voici le secret. Elle dit... Nous sommes à visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et lorsque vous contemplez la gloire du Seigneur, qui, selon 2 Corinthiens 4, 6, car c'est Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Alors, la gloire de Dieu est reflétée sur le visage de Jésus. Et le Saint-Esprit fait briller sa lumière dans ton cœur, ici, afin que vous puissiez contempler son visage dans votre cœur. Et alors que vous contemplez son visage, il y a une transformation qui se passe dans votre cœur, afin d'être comme Jésus. Alors, vous venez à l'église, vous fermez vos yeux et vous levez vos mains, vous l'adorez tout simplement. Et vous l'adorez, vous contemplez sa sainteté et sa beauté et sa justice. Et sans pourtant le réaliser, quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'être transformé. Vous êtes en train d'être changé de gloire en gloire à l'image de Christ. Et vous sortirez de cet endroit. Vous êtes là, oh, je sens l'amour, je sens la joie, je sens la paix. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver Dieu est en train de vous transformer à son image. Il viendra un temps où nous le verrons face à face. Et nous serons comme il est, la Bible dit. La Bible parle du sacrifice de louange, de l'adoration, de louange, qui sont les fruits de vos lèvres. Plusieurs personnes viennent et ils sont dans l'adoration, et ils sont juste debout comme ça. Et ils partent sans pourtant avoir expérimenté sa présence, son feu, parce qu'ils n'offrent aucun sacrifice au Seigneur. Lorsque vous venez dans sa présence et vous vous offrez à lui et vous offrez à lui des sacrifices de louange, même si vous ne savez pas comment chanter, même si vous n'avez pas une belle voix, même si vous êtes très fatigué, même si vous êtes embarrassé à cause de ce que la personne à côté de vous pense sur vous, mais vous ouvrez votre bouche et vous commencez à le louer et l'adorer, pas pour ce qu'il fait mais pour ce qu'il est. Et vous vous offrez à lui, c'est un sacrifice plaisant devant le Seigneur. La Bible parle de nos offrandes comme sacrifices. La Bible dit qu'ils sont des parfums de bonne odeur et des sacrifices acceptables qui plaisent à Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, mais la générosité attire la présence des cieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vu au travers du temps encore et encore. Les gens qui expérimentent le réveil sont des personnes généreuses. Les personnes qui donnent ouvrent les cieux sur leur vie. Je ne parle pas de recevoir des bénédictions financières. Il y a quelque chose de plus grand que les bénédictions financières. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. La Bible parle aussi d'offrir vos corps comme étant des sacrifices vivants. Le dit Romains 12,1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu ce qui sera à votre part un culte raisonnable. Dieu ne veut pas juste votre adoration. Dieu ne veut pas juste vos offrandes. Il vous veut en entier. Il veut votre cœur. Il veut votre corps. C'est la raison pour laquelle vous devez offrir votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Il y a un baptême qui vous autonomise, qui vous donne le pouvoir de vaincre le péché. Il y a un baptême qui vous purifie. Il y a un baptême qui vous révèle son amour. Il y a un baptême dans le Saint-Esprit et le feu.